13h15, nous sommes à la marina du bas du fort. Les concurrents chargent leurs planches, direction Marie-Galante. The race est déjà commencé. Stéphane Baudet, c'est plutôt la bonne ambiance pour l'instant, on va dire. Hein. Pour l'instant, c'est très détendu, tout va bien. On essaie justement d'oublier un petit peu le stress. Et justement, c'est quand même aussi, il faut faire attention à ce matériel qu'il faut embarquer. Ah oui, tout à fait, ce sont des planches assez fragiles, hein. C'est des planches en carbone. De grandes dimensions et donc il ne s'agit pas de les dégrader avant la course. Et je vois vraiment qu'il y a une communication qui s'installe même entre vous, c'est ça aussi l'esprit du Saddle Paddle ? Ah ben oui, tout à fait, puisque bon, on est tous habitués à gérer notre matériel, à gérer les assistances bateaux, notamment sur les longues courses. Donc normalement tout roule, là en plus on est des rameurs on se connaît, donc ça va. On parle aussi avec donc Pierre Nano, c'est vrai que c'est une très très belle ambiance pour l'instant, tranquille. Oui, on s'amuse, je sais pas vraiment quand est-ce qu'on va partir, mais c'est agréable. Et puis on rencontre encore d'autres personnes, c'est sympa. Juste là Pierre, le fait de pouvoir partir enfin sur Marie-Galante, c'est aussi un soulagement, ça y est la course va démarrer. C'est pas forcément un soulagement, plutôt la pression qui va monter là. Jusque là j'avais pas l'impression de réaliser et maintenant qu'on part je me dis que bon bah va falloir y aller. Marie-Galante en scano, quelques heures d'entraînement pour les quatre stand-up paddle qui vont effectuer cette traversée. Un petit entraînement, on surfe les vagues. Comme ça, ça lui laisse le temps de se mettre dans la vague et après il lâche le bout. Demande-lui. Franck fait partie du magazine Get Up, qui est mon magazine. Et alors tu viens sur cette manifestation, pourquoi ? J'ai un magazine de stand-up paddle et donc en collaboration avec l'organisation, je viens pour couvrir l'événement et faire un reportage dans mon magazine. Et ça t'arrive de faire beaucoup de magazines dans le monde ? Attends, juste deux secondes. Et ce qu'on va faire, c'est que ce qu'il faudrait, c'est que tu prennes un bout, tu tiens le bout avec ta pagaie, et dès que tu es dans la vague, on récupère le bout et là tu la surfes. Il parle avec Stéphane Baudet, hein, tu es l'entraîneur. Non, je suis pas son entraîneur. Donc moi j'ai un magazine papy en fait, et donc en métropole qui s'appelle Get Up. Et donc je viens faire un reportage sur le stand-up en Guadeloupe. Plus un focus spécifique sur la course, puisque c'est une course qui est une des plus longues au monde et qui est très intéressante à la fois pour montrer le niveau des locaux et d'autre part pour aussi inciter plus tard d'autres grands champions à venir sur cette course s'il y a une seconde édition. Tu es venu sur Marie-Galante, comment tu te trouves ? Je sais que tu as fait beaucoup de photos, tu as fait beaucoup de lumière. Le cadre est magnifique, donc le cadre est vraiment fantastique, donc on a profité pour faire quelques images. C'est assez rare d'avoir des cadres aussi jolis pour faire des images comme ça. Du stand-up sur du plat qui est vraiment accessible, c'est pas du tout la course, là c'est juste le stand-up plaisir. Donc c'est aussi intéressant de donner différentes facettes du sport. C'est pas simplement des courses extrêmes, c'est aussi juste du plaisir, s'amuser. C'est un sport familial, c'est un sport accessible à tout le monde. Merci Franck. Alors Stéphane, tu vas nous faire du surf là. Ouais, on va essayer, mais bon, c'est du ski nautique avec une très grande planche quand même. Ça va être compliqué. Je vois que tu prends vraiment du beaucoup de plaisir. Ben, on essaie de trouver toutes les occasions. Alors, c'est bon. Deux mois avec le pilote. Eric, alors aujourd'hui c'est plus le côté un petit peu fun. Je sais que tu es pilote accompagnateur toi de Amaury. Amaury qui fait partie des favoris. Amaury favori, ça rime. Hein. Mais c'est excellent. Quand je vois ces jeunes hommes sur une planche en équilibre et que demain ils vont faire ça pendant 6 heures. Non mais franchement, c'est. Ils sont fous. Ils sont fous. Mais Stéphane, même quand vous n'êtes pas en compétition, vous êtes en compétition avec vous-même finalement, hein, parce que j'ai vu que c'est du plaisir pur. Ouais, c'est du plaisir, c'est pas une compétition, c'est ludique, je me fais plaisir. Qu'est-ce que ça fait travailler finalement ? Ah ben là, énormément les jambes, les appuis, parce que là ça va très vite, et donc au bout d'un moment on a les cuisses grillées, et c'est pour ça que j'ai pas trop insisté avant la course de demain. Je vous explique, il était en train de se faire tirer par un bout du bateau et en train de surfer des vagues. C'était quoi ? Vous êtes complètement fou furieux. Hein. Ouais, il faut s'occuper un peu. On t'a vu là, c'est bon là. Hein. C'est excellent. Quoi. Après, bon, quand ça prend trop de vitesse, après. Avec Olivier, qui est le directeur de course, on va vous donner un petit peu les détails.
Il est quasiment 21h et c'est le début du briefing. Donc je demande juste votre attention le temps qu'on finisse ça. Et après, vous serez libre de poser les questions que vous souhaitez. D'accord ? Voilà, donc grosso modo, demain, on va partir à 5h du matin d'ici. On va donc, pour être à environ à 5h15 sur le site. Chacun se débrouille pour aller récupérer ses planches, enfin les planches qui sont groupées sur un bateau. Et le briefing est réalisé par Stéphane Baudet, le président. Pour qu'elles soient distribuées. Prenez tout de suite contact avec votre pilote de bateau pour mettre vos affaires dessus. Donc là, vous êtes grand, vous êtes autonome, c'est vous qui gérez, on ne s'en occupe pas. Hein. Ensuite, donc vers 5h30, il va y avoir une petite cérémonie de départ, voilà, pour marquer le coup. Donc ça sera l'occasion justement d'être, donc soyez présents, ne vous éparpillez pas sur la plage, soyez, qu'on n'aille pas chercher tout le monde au dernier moment. Petite cérémonie, on va inviter également tous les pilotes de bateaux et équipiers à être présents à cette cérémonie. C'est le directeur de course Olivier Vigouroux qui brief l'ensemble de la flotte. Sur la ligne de départ sur la plage, le tracker GPS et une fusée à feu à main qui sont à mettre plutôt pas dans le camelback. Enfin, les trackers, c'est pour les stand-up paddle solitaires uniquement, qui sont à mettre plutôt pas dans les camelbacks puisqu'il y a des chances que vous ravitailliez, que vous changiez de camelback. Donc c'est plutôt à mettre sur le gilet et le feu à main pour tout le monde pour la même raison. Ce sera fixé sur le gilet, on a du scotch, on vous fournira le nécessaire pour l'attacher. Pour le reste, comme Stéphane l'a dit, la course en elle-même, donc le départ, ça va être départ de plage, planche posée sur la plage. Moi, je serai devant avec un bateau. Je vais vous annoncer, une fois que tout le monde sera à peu près en ligne, une minute avant le départ. Puis départ dans les 10 secondes. Et là, je mettrai un coup de corne. Moi, je pars devant vous, on contourne, on laisse l'embarcadère sur la droite et on part vers l'îlet Vieux-Fort. Et ensuite, suivant les conditions météo, moi, j'aurai deux bouées à bord qui sont deux allumettes, deux bouées rouges qui doivent faire un petit mètre de haut et 10 cm de diamètre, qui sont attachées ensemble. Suivant les conditions, si on ne va pas jusqu'à l'îlet Vieux-Fort, je les jette dans l'eau à un moment, je serai 300 mètres devant le premier ou 400 mètres devant le premier. Je les jette dans l'eau et c'est cette bouée qu'il faut contourner, laisser sur la gauche, avant de se diriger vers le phare de Vieux-Fort, qui est l'étape suivante. Durant le briefing, les équipages écoutent religieusement et on va poser deux petites questions à Stéphanie, qui est engagée, qui est le seul équipage féminin. Je sais que votre comparse est parti se reposer. Et savoir quel est votre sentiment, je veux dire, à quelques heures de cette grande traversée. Oh bah, une petite appréhension quand même, parce que j'ai vu l'état de la mer aujourd'hui, donc ça bougeait pas mal. Et puis bon, au niveau de la distance aussi, moi j'ai déjà fait 35 km toute seule. Mais bon, pas dans les mêmes conditions, donc là on verra, mais on est confiante. Et puis surtout, on aimerait bien dépasser certains solos, certains paddles solos, voire peut-être une équipe de trois gars, on a espoir. Et qu'est-ce qui pousse quelque part une femme comme vous à pouvoir, genre je sais qu'effectivement vous faites du paddle d'une façon générale déjà dans le championnat, mais qu'est-ce qui vous pousse quelque part à pouvoir avoir envie de faire cette grande traversée, ce challenge quoi? Bon, après c'est comme quand on se lance sur un marathon, hein, c'est dépasser ses limites, c'est ça, hein, c'est se dépasser, voir jusqu'où on peut aller. Parce que bon, en général, quand on arrive à la fin, si on arrive, c'est ça qui est beau déjà, c'est d'arriver. Et puis bon, souvent on est un peu en vrac, hein, mais bon, au moins on l'a fait quoi. Donc ça c'est fait, et c'est beau quoi, c'est dépasser les limites de soi-même. Donc avec Olivier Vigouroux, le directeur de course, dernière recommandation dans ce briefing. Dernière recommandation, rappeler le parcours aux concurrents, que la plupart connaissent déjà, mais dans les détails en fonction de la dernière météo qu'on a pu prendre.
et puis redonner les consignes de sécurité à tous les concurrents et à tous les pilotes de bateau, parce que ça va être une longue journée malgré tout. 60 km ou 55 km, c'est long et ça va être éprouvant pour tout le monde. Parlons un peu de cette météo. La météo va être parfaite normalement, c'est-à-dire que le vent et les vagues sont dans la bonne direction pour que l'épreuve se déroule bien. Il n'y a ni trop de vent, ni pas assez. Ça va être une super journée, je pense, et en tout cas des conditions parfaites pour la course. Il est 4h30, le dortoir composé d'une vingtaine de lits s'éveille. Et on va faire connaissance avec Ludovic qui ne va pas concourir, mais qui est un accompagnateur. En fait, c'est exactement, vous êtes au même tarif que les concurrents. Vraiment des conditions assez agréables, hein. Tous ensemble, une seule équipe en fait, finalement. C'est aujourd'hui qu'on va se battre les uns contre les autres. En tant qu'accompagnateur, il y a un rôle particulier ? Alors mon rôle, je serai sur un bateau, je serai l'équipier d'un des athlètes la traversée des 60 km, mon rôle sera de l'approvisionner en eau et en nourriture. C'est le petit déjeuner. On va avoir une petite discussion avec Patrice et Mable. C'est un concurrent en surf ski. Comment vous avez passé cette nuit ? Bonne nuit, hein. Bonne nuit, j'ai pu me reposer, le lit était suffisamment grand. Oui, il faut dire que c'est un grand gaillard. Parce que dans le dortoir, c'est un peu petit là. Mais sinon, ça a été quoi. Et j'attends les premiers coups de pagaie pour voir comment l'organisme va réagir quoi. Oui, justement, quand on s'attaque à 60 mois, on sait que vous êtes un peu un raideur, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même une première épreuve, une première édition. Dans quel état d'esprit vous l'abordez ? En fait, les distances comme ça, c'est vrai qu'on n'en fait pas très souvent, mais j'en ai déjà fait, donc j'ai une petite idée de ce qui m'attend, mais c'est surtout les conditions du jour, quoi. C'est lorsque je fais un coup de pagaie que je verrai si effectivement l'organisme réagit bien, ne serait-ce que sur la première moitié de la course, et puis après... On va dérouler. Du plaisir, encore du plaisir. Voilà, exactement ça. Du plaisir, on espère qu'il y aura du bon surf et qu'on va avoir du surf jusqu'à Vieux-Fort, parce que le dernier bord, c'est du plat et là, c'est difficile. Nous sommes sur la plage du bourg de Saint-Louis, là où se fera le départ de cette grande course. Et c'est un petit accueil tout en chant et en tambour. À quelques minutes du départ, au Mual de Mamadou, qui concourra donc en paddle solo. Tu es en train d'astiquer un peu ton matos. Je suis en train de passer de la wax sur ma pagaie pour bien que ça accroche, pour pas qu'il y ait de glisse en fait pendant la rame. Accueil en musique, ça sonne du baume au cœur. Ouais, c'est sympa, surtout qu'il est 6h du matin, ça met de l'ambiance et puis ça met du baume au cœur, effectivement. Tu es déjà dans ta course finalement. Ouais, je suis déjà concentré, je suis déjà dedans depuis 2h là, déjà. Sur de la longue distance comme ça, il va falloir jouer quand même fine, il va pas falloir y aller trop fort dès le départ, il va falloir doser, il va falloir ménager sa monture pour arriver au bout et essayer de se placer dans les premiers. La mer nous accueille, que le vent nous porte. Et maintenant, je vous laisse une petite minute de concentration. On se tient la main au son du quart. Attention au départ, il est 6h40 exactement. Ça y est, les concurrents s'élancent. Direction l'îlet Vieux-Fort. À cette première bouée, c'est Dimitri Georges qui est passé en tête devant Franck Fifis et Romuald Mamadou. On est en mer, on va faire un petit point avec Bruno Pensio qui est donc notre reporter Wallou Première Télé. Bruno, une course extrêmement exigeante. Oui, exigeante au vu des conditions de début de matinée, puisque pour le moment la mer est plus que belle, hein, quasiment plate, très très peu de vent. Donc tout se fait à la force des poignets, à la force des bras. Plus on va progresser dans la matinée, plus on va être au large, donc avec des creux un peu plus importants et des premiers surfs donc qui vont agrémenter la descente. Et au bout de 5h08 et 2 secondes, c'est Dimitri Georges, jeune de 19 ans, qui l'emporte. Dimitri, j'imagine que ça n'a pas été une traversée facile. Non, mais c'est quand même plaisir, ça a été un plaisir pour moi. C'était, depuis le début, je vois cette course sur Facebook, ça fait 4 mois que je vois cette affiche de The Race, la plus grande course du monde. Je me suis dit,
comme l'hiver, je vais en Guadeloupe, je veux absolument la faire et je vais profiter de ces 3 mois pour m'entraîner là. Je suis venu en décembre et tous les jours, on tape sur l'eau, tous les jours sur l'eau. Et c'était... La course était quand même technique, surtout vers la fin, à 1h de la fin, avec le canal des Saintes, ça bougeait dans tous les sens. Mais ça reste du plaisir pur, quoi. À Maurice, sous forme de boutade, vous faites battre par un jeune de 19 ans, mais ça a été un parcours relativement difficile. Ouais, bah, c'est un parcours qui a bien glissé. C'est vrai que Dimitri, qui gagne aujourd'hui, a pris sûrement une trajectoire qui était plus intéressante que la nôtre, hein, parce qu'on s'est rendu compte que naviguer à la côte était beaucoup plus facile. C'est vrai que nous, on avait une trajectoire beaucoup plus sud. On s'est livré une grosse bataille avec Stéphane Baudet de la Guadeloupe. Donc moi, j'ai été très longtemps devant et il est revenu sur moi juste à la fin. Et c'est pour ça qu'on a pris plaisir à terminer ensemble. Stéphane Baudet, alors au-delà de la place, allez, on ne va pas y revenir, nous ce qu'on voulait faire un peu, c'est plus le bilan avec vous de cette première édition de The Race, The Caribbean Race, qui s'est terminée aujourd'hui. Ben en fait, y a un chiffre qui est parlant, j'ai fait un meilleur temps que Kauai, donc sur le même parcours, à peu près la même distance, j'ai mis une demi-heure de moins, donc un parcours encore plus glissant que Kauai. Donc c'est une bonne référence, voilà, on est content, tout le monde est content d'avoir eu un parcours comme ça. Pour la deuxième, l'idée ça sera d'avoir encore une meilleure organisation. On va faire un débriefing pour voir ce qui a été super bien fait, ce qui a été moins bien. Mais après le parcours, il n'y a rien à dire, on le valide, il est parfait. Donc c'est à refaire et, sans aucune hésitation. Voilà, c'est ainsi que se termine ce magazine consacré à cette première édition de The Race. Vraiment avec des forçats de la mer qui ont donc donné vraiment tout ce qu'ils avaient. Et franchement, on peut dire que cette course, vraisemblablement, devrait prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur.